Il est urgent de faire quelque chose pour ma cote de popularité. Je veux que ma popularité ne fasse qu'augmenter. J'en ai assez de ces hauts et de ces bas. J'ai besoin d'idées qui apporteront un succès garanti. Alors, as-tu des suggestions? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'ancienne stratégie? Elle ne fonctionne pas. C'est la première fois que mes audiences baissent de façon aussi importante. Il faut prendre des mesures sérieuses. Peut-être une vidéo avec des tourniquets? C'est trop vieux. Ça fait longtemps que personne s'y intéresse. Alors pourquoi pas des critiques pop-it? Hein? Non, c'est trop éculé. Il nous faut quelque chose d'original. Je sais! Et pourquoi pas la prison? Peut-être que je devrais simplement te virer! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait d'utile du tout. Je vais devoir tout faire moi-même, comme d'habitude. Je chercherai de l'inspiration sur la chaîne Troum Troum Wow. La prison semble être un sujet populaire en ce moment. Je pense que c'est exactement ce que je cherchais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oh, alors je ne peux pas aller dans un café avec des pop-its, de la nourriture et des animaux. J'ai une assez bonne idée. J'espère que ça va marcher. Bonjour monsieur, pourrais-je avoir un brownie pour un faux 10 $? J'ai pas de vrai. Vous êtes sérieuse? Bien sûr que non. Prenez votre morceau de papier inutile et allez-vous-en. Mais s'il vous plaît! Pas question. Un visiteur? Mademoiselle, je suis désolée, mais vous n'avez pas le droit d'entrer dans notre café avec ça. Est-ce que j'enfreins les lois? Oh là, c'est terrible! Officier, emmenez cette dame! Mademoiselle, vous devez venir avec moi. Vous devez être mal à l'aise pour me passer les menottes, hein? Ouh, laissez-moi avoir les mains libres! Voilà. Alors, je vais aller en prison maintenant? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Vous venez avec moi! Quoi? Il doit y avoir une erreur! Non, ce n'est pas ma faute! Vous dites tous ça. Allez, on y est. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi partir! Vous avez tout faux! Je suis en prison, maintenant. Et pourquoi es-tu si heureuse? Je suis occupée, alors reste tranquille. Bref, voilà le truc. Je suis une blogueuse vidéo populaire et je veux juste passer un bon moment ici et augmenter mon activité sur les médias sociaux. J'espère que vous allez m'aider pour ça. Bien sûr, pas de problème. Je pourrais acheter beaucoup de beignets avec cet argent. Et toi? Moi? Oui. J'ai pas d'argent, mais j'ai trouvé ces superbes chaussures à la friperie. Enlève tes pieds de la table! Pourquoi est-il si grossier? Ne t'avise pas de refaire ça. Il y a une séance photo qui t'attend. Allez, tu te mets devant le mur et tu tiens le panneau devant toi. Comme vous voulez. Comme ça. Joli, maintenant tourne-toi. Je devrais peut-être commencer à travailler en tant que photographe. Tourne-toi de l'autre côté. Quelque chose ne va pas. Je pense que je devrais expérimenter des tenues. Rose? Ah, pas mal. Je devrais réessayer. Ouh, c'est quelque chose de plus intéressant. Quoi? Hé! Donne-moi ça! Bon, d'accord. On va travailler avec ce que nous avons. Jane est douée avec la caméra. Et ce n'est pas étonnant, c'est une blogueuse après tout. Elle est capable d'égayer même une séance photo en prison. C'est bon, tu peux y aller. Suivant! C'est comme ça que je suis, non? Non, tourne-toi vers moi. Comme vous voulez. Et ta tête doit être plus à gauche. C'est bon. Un peu plus, oui. Un peu plus loin. Assez? Sors du champ et monte le panneau juste. Oh. Est-ce que tout le monde se fait photographier comme ça? Apparemment, non. On dirait une séance photo professionnelle. Tout le monde sur Internet a adoré mes nouvelles photos. Je suis trop heureuse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment suis-je arrivée ici? Qu'est-ce qu'il prépare? Tu l'as apporté? Ouais. Comme tu le voulais. Merci! Quand tu veux. Je vais bientôt acheter une nouvelle voiture. Hey, hey! Bon, allez, je vais filmer. Je suis aussi en prison. Je dois utiliser ça pour ma popularité d'une manière ou d'une autre. Mais oui! Voilà! Et qu'est-ce qu'un trépied fait maison sans ruban adhésif? Comme ça, le smartphone ne tombera pas. C'est sûr. C'est fait. Sauf que ça ne s'allume pas. Ok, c'est parti. Bonjour téléspectateurs. Je m'appelle Rose et aujourd'hui, je vais vous raconter des faits intéressants sur la vie en prison. Oh, pourquoi personne ne regarde mon direct? Et Jane?
Écris un commentaire si tu attends une visite guidée de ma cellule en prison. Dis-moi comment attirer l'attention du public. Une seconde. Et c'est ce truc. Un pansement? Merci. Maintenant, j'ai aussi un look de fille douce. Comment trouves-tu mon changement de style? Ça ne marche pas. Oh, tu as besoin de plus de détails mignons. Prends ça. Merci encore. Voyons ce que ça donne. Je suis de retour. Alors, comment ça se passe? Oh, voici tes trois premiers téléspectateurs. Tu es contente? Oui. C'est étrange, mon vlog sur la prison a obtenu que quelques vues. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette vidéo? C'est elle qui m'infecte avec son impopularité. Officier Green? Venez ici tout de suite. J'ai une faveur à vous demander. Remplacez mon compagnon de cellule par quelqu'un de plus populaire. Je ne peux pas faire ça. C'est mal. Vous êtes sûr? Oh, je sais. Je trouverai bien quelque chose. Ouais, je l'espère. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, tu es libre maintenant. Vous ne plaisantez pas? Oh, je suis tellement heureuse! Allez, fais vite. Habitue-toi, tu vas vivre ici. Prends ça et dis bonjour à ta compagne de cellule. Qui diable est-elle? Rose n'a que 17 abonnés et Michelle en a 24. Elle est plus populaire. Salut. Je vois. Laisse-la rester. Alors, je vais y aller. C'est comme ça dans toutes les prisons? Est-ce que tout est prêt? Oui, tout se passera comme prévu. La caméra est déjà allumée. Super! Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Quel est ce son étrange? Ça perturbe mon sommeil. Il faut que je m'en occupe. Oh! Eh bien, bonjour, Michelle. Est-ce que je suis entrée dans une fête costumée? Je dois trouver ma compagne de cellule. Oh, c'est si effrayant! Je n'ai pas eu le temps d'écrire un testament. Oh, Michelle! Tu sais ce qui se passe? Quelque chose de très effrayant! Ah, on joue? Non, je veux vivre! Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Wow, c'est bon, coupé! Pas besoin de crier comme ça, c'est juste notre agent de sécurité. Je suppose que je suis entrée trop profondément dans le personnage. Nous étions juste en train de tourner une nouvelle vidéo TikTok. J'ai eu peur! Tu as parfaitement joué ton rôle. C'est trop! Que dois-je filmer pour obtenir plus de likes et de vues? Oh, je crois que je connais la réponse. Bonjour mes chéris! Aujourd'hui, je vais me moquer de notre agent de sécurité. Il ne remarque rien quand il compte l'argent. Nouvelle voiture de sport, attends-moi! Prêt? Voici la farce. Pour le plaisir de la popularité, Jane est prête à prendre tous les risques. Haha, c'est fait! Je me demande si les autres détenus vont aimer les nouvelles menottes. Hé, Green! T'es coincé là-dedans? Ça fait 10 minutes que le déjeuner a eu lieu! Et alors? Oh, c'est un tel fauteur de troubles! Je suis affamée, c'est de ta faute! Je vais te faire un procès! Tais-toi! Arrête de crier ou je te passe les menottes au barreau! Qu'est-ce que c'est? Jolie menotte, officier! Comment ça se fait? J'ai tout filmé! La farce a été réussie! Je ne vais pas laisser passer ça! Je confisque vos smartphones! Chacun d'entre eux! Jane, ceux de rechange aussi! De rien! Les autres? Je n'en ai pas d'autres! Je le jure sur mon compte TikTok! Très bien, prends-les! Tu peux leur dire au revoir! Non, s'il te plaît, fais pas ça! C'est ta faute! Non, tu es si cruel! Oh, mais je pense que je vais garder l'iPhone 14. Ha! Je n'ai pas vraiment besoin d'un smartphone à ce point! Fais comme tu veux! Le naïf Monsieur Green me sous-estime! Wow, trop cool! Peut-être que tu peux m'acheter un smartphone à moi aussi? Quoi? Mais tu me prends pour qui? Bien sûr que je peux! Attends une seconde. Tiens. J'ai trouvé la vidéo « Comment s'évader de prison » avec des life hacks. Waouh, trop bien. Spécialement pour les prisonniers.
des machines à tatouer en 3D. Il vous suffit de tatouer un objet et il se retrouve dans vos mains. On doit en commander une. Oh. Les filles, j'ai quelque chose pour vous. C'est un nouvel accessoire élégant pour les prisonniers. Le dernier cri. Oh, ça fait mal. On dirait qu'on est coincé. On ne peut pas sortir maintenant. Laisse-nous partir. C'est ma nouvelle farce de boucles d'oreilles avec des menottes. Vous m'avez inspirée pour créer ma chaîne YouTube. Pensez-vous que je devrais les laisser partir ou faire une vidéo TikTok amusante avec elles? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Au revoir.